Et bonsoir à tous, et bienvenue pour la découverte de Final Fantasy VI version Pixel Remaster sur Nintendo Switch. Alors, Final Fantasy VI, c'est un jeu auquel nous n'avons pas joué à l'époque. Hein. Alors, attendez, je vais me remettre sur le bon setting sur OBS. Voilà, on est bon. Alors, je vérifie que tout va bien. Hop. Niveau du son, on a l'air OK. Voilà, donc c'est bon. Voilà. Tout a l'air OK. Alors oui, je disais donc, Final Fantasy VI, c'est un jeu auquel on n'avait pas joué à l'époque de sa sortie. On avait découvert les Final Fantasy, ben, comme beaucoup, via le 7. On avait ensuite enchaîné sur le 8, le 9, le 10. Le 10 de très peu, mis à part pour son intro exceptionnelle. Le 11, on avait joué un petit peu sur PC. Le 12, on n'avait pas aimé. Le 13, on y a joué. On avait perdu notre sauvegarde à cause d'un cercle de la mort, un cercle rouge de la mort sur la 360. Et on se l'est refait récemment, on est bloqué. Je suis bloqué sur un des boss qui est vraiment très corsé. J'ai laissé ça un peu de côté. Et voilà, on est parti pour Final Fantasy VI. J'ai oublié lesquels. Le 14, j'ai pas joué. Il est trop tard maintenant. Et le 15, je n'ai pas aimé. Le 16, j'attends de voir. Je suis pas sûr de la proposition pour l'instant. Ça m'a l'air. Il y a l'air d'avoir des bons points comme le système de combat, mais alors d'autres choses un petit peu bizarres qui demandent à être vérifiées. Sans rentrer dans les détails, aujourd'hui, de toute façon, on parle de Final Fantasy VI. Et on est parti. Alors, on va regarder. Alors, un extra, on a les lecteurs de musique. On a les versions remasterisées des musiques ou les versions originales. Alors moi, vu que je découvre le jeu, ça ne fera pas. On va rester sur les versions remasterisées, je pense. Alors à savoir que j'ai également acheté le 4 en version Pixel Remaster sur Switch également. On a commencé à y jouer, mais bon, il y a un jeu qui s'appelle Zelda Tears of the Kingdom qui est sorti depuis. Donc on y a joué peut-être 4-5 heures et on a dû mettre ça de côté. Pour l'instant, agréablement surpris. Je trouve les musiques notamment est vraiment excellentes sur le 4. Alors on va commencer tout de suite la partie. Alors, on va regarder rapidement. Ouais, c'est comme le 4. Hein. Donc la langue, police de caractère surtout, passer en classique. Je pense que c'est mieux parce que la police de caractère modifiée, non, ça peut le faire. Alors, on est bon. Musique, on regarde les arrangements. Hop. Alors, je migre une dernière fois pour voir que tous les réglages sont opérationnels. Rapidement, hop. Très dommage qu'on n'ait pas de son. Alors, ça m'a l'air parfait. Je vais vérifier rapidement. Hop. La version en ligne du live. J'espère que tout va bien. Alors. C'est bon. Cette fois-ci, on est parti.
Bon, la licence, c'est pas grave. On laisse ça de côté. Essayez d'avoir le micro le plus proche possible. Là, je pense qu'on est parfait. Ça fait quelque chose hein, quand même de découvrir un monument du jeu vidéo. Il y a un léger ralentissement. Là, c'est pas le live. C'est le jeu qui est comme ça. Jolis ces petits pixels. La musique est pas mal, hein, déjà. J'ai entendu dire que le grand méchant de ce jeu était exceptionnel parmi l'un des meilleurs. Tout Final Fantasy et tout jeu vidéo confondu, donc. Ça m'intéresse. Et j'ai envie de découvrir l'arrangement de la musique de combat. Bon, j'ai déjà entendu la musique de combat. Hein. Ça, moi, les musiques de combat, je pourrais les écouter sans fin. Biggs, Wedge Biggs, ah ouais, d'accord, donc il y a des la réutilisation de noms dans le set du coup. Donc il y avait pioché les noms du 6. Ah, les dialogues défilent automatiquement. Ou pas. Ok. Ah, j'ai déjà vu cette scène d'intro, notamment dans des reviews et autres. Apparemment, c'était une petite prouesse pour la Super Nintendo. Avec le mode 7, c'est ça? Une fausse 3D. Bon, la musique déjà, ça met tout le monde d'accord, hein. On est sur du très très lourd. J'en profite pour voir si tout fonctionne bien. L'intro, on peut pas la passer apparemment. Bon bah tout est bien. Un peu longué. J'aurais bien aimé pouvoir passer ça. Bon, la musique est bonne, donc heureusement. C'est déjà ça. Il sent du genre du pixel. La contrôler, valider, retourner voir le menu, se déplacer, changer de personnage. Ouais, bon, c'est sympa.
Ouais, JPEG. Ah, ils ont la même tête. Ouais, les illustrations sont pas folles, hein. On verra. Elite Magitech. Elle a pas de nom pour l'instant. Ok. Peux pas rentrer à la maison. L'Empire n'a rien à faire ici. Voilà les musiques de combat, on est d'accord. Putain, non, je la connais, hein. Moyen ouais, chien. C'est pas fou. Il est là. Les armures Magitech. L'Empire oserait finalement envahir Narche. Narche ou Narche, je sais pas. On prend ça. Ah, la musique de combat de Final Fantasy IV, elle est énorme. Courte, mais énorme. Ah, quelle joie, cette petite fanfare à la fin. On apprécie. Nous protégerons Narche. On essaiera ensuite les musiques originales pour voir. On les one shot tous là. J'ai l'impression que les effets spéciaux ont dû être remaniés. C'est assez joli, hein. Alors le 4, j'étais agréablement surpris, hein, vraiment, parce que graphiquement, ils ont fait un beau lifting. Hein. Et vu que les musiques sont intemporelles, bon, les dialogues, c'est un peu sec. Ça m'a l'air mieux quand même, les dialogues, là. Dans le 4, c'est ça perd pas de temps. Hein. La mise en scène, c'est moi ici pour te sauver, moi aider toi, toi moi aller battre. Voilà. C'est pas du niveau du 1, 2 et 3. Je pense que ça doit être un petit peu mieux. Et ça fait un peu jeunesse plus ou early Super Nintendo quoi. Vraiment début de la Super Nintendo dans le 4. Là où j'ai l'impression qu'ici c'est plus travaillé. Déjà rien que les premiers dialogues, ça se voit tout de suite qu'il y a une différence. Nous protégerons la mine. C'est quoi ça? J'ai cru que c'était des cadabras de Pokémon. Allez. J'aime bien ce petit effet spécial. C'est joli. Alors, on va switcher sur les musiques originales et voir. Suis pas super fan dans les versions remaniées des trompettes en fait. Ça fait un peu trop trompette. Pardon. Selon notre tuyau, ils ont trouvé la chimère en creusant une nouvelle galerie dans la mine. On ne doit plus être très bien loin, pardon. Bon, une mine. Premier donjon. Alors, enfin un objet quand même. Une lueur étrange inonde les environs.
C'est un point de sauvegarde. Voulez-vous plus de détails? Oui. Ah, donc on peut sauvegarder que sur la map. À mon avis, c'est comme les 4. Oh. Ah, je préfère la version originale. Hein. C'est plus groovy. Le rat-garou. Ah, ils ont mixé des rats et des loups-garous. Il fallait le faire. On peut pas aller là. On peut pas aller bien là. J'entends un bruit là, on va se taper un boss direct. Je m'en charge, reculez. On va chercher quoi là du coup? Un monstre? Nous ne vous laisserons pas vous emparer de la chimère. Ah oui, la chimère, d'accord. Ymir, occupe-toi de... Oh, musique de boss. Question me rappelle quelque chose. Ah oui, je sais. Ah, pas mal la musique. Pourquoi tu reconnais cette créature? C'est un monstre qui absorbe la foudre. Tu n'as jamais entendu parler des bulots paratonnerres. Créatures qui peuvent emmagasiner l'énergie électrique dans la coquille. Ah, pas mal la musique, vraiment pas mal. Je connaissais la musique de combat, mais pas celle des boss. N'attaque pas la coquille, ok. Alors dans FF4, il y a un premier boss où on nous donne aucune indication. Et en fait, si on l'attaque, il nous fait une contre-attaque de la mort. Il nous détruit. C'est le game over assuré. Il faut en fait le laisser attaquer. Voilà, c'est la coquille qu'il faut pas attaquer, d'accord. Oh non! Bon, moi je suis mort. Ouh là 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 là. J'aurais pas dû attaquer. On a pas de queue de phénix, non? Là, on va douiller, hein. C'est glacier, tiens, voilà, on va rien faire du tout. C'est quoi un vitaliseur? Qu'est-ce que j'ai fait? Et bouffe. Combien il prend? 165. Missile. Oh mais non, on va prendre tellement cher là. 460. Ça mon gars. Ouh, j'ai failli attaquer encore. Bon, de toute façon,
Ce serait bien si on pouvait du coup là économiser des tours et ensuite se déchaîner un peu comme dans Octopath Traveler. Ouais, ça lui fait mal ça les missiles. Bon il est mort là ou quoi? Voilà. Bon. On a un pote qui est mort. Ok. Et il reste KO. Hein. C'est super. Ok. Tiens, un chocobo. Non, pas un combat. S'il vous plaît. Ouais, d'accord. Ok. Je change jamais les noms. On doit fuir. Hein. Par contre, on va mettre la course par défaut. Alors. Voilà. Il faut courir. Oh. Les gars, on est tout seul, hein.
77 PV. Pas les longs, hein. Là, il faudrait du one shot là. Vous allez voir qu'on va mourir. Oh mais non! Oh la louge! Vous allez devoir filer des potions. Juste avant la sauvegarde, naturellement, hein. Bah oui. Et on se fait attaquer, tant qu'à faire, ça va y rater. Clé à molette, hein, carrément. On a une tente ou pas? On n'a même pas. On peut même pas se soigner. Enfin si, on a de la magie. On rejoint. Alors. Les PM ne sont pas illimités, hein. Va falloir faire attention. Ça c'est une porte. C'est des portes, hein. Non, la magie on garde pour les soins. Hein. On va pas s'amuser à faire autre chose. Alors, sac de couchage. Oula. C'est assez limité les combats pour l'instant. Que de Phoenix quand même. La voilà. Quatre gardes, là, ça va être dur. Hein. Oh, quand même. Ok.
Kefka. Ce serait pas le grand méchant, ça. Ok. Et donc tout est lié. Hein. Figaro. Oula. Nous protégerons Terra, Kupo. Bah oui. Ok.
Allez, on va tous les taper, hein. Tête de neige. Ah ouais, d'accord, ok. On va mourir en fait. Ou pas? Oh mais non, j'aurais dû me soigner. On va retourner en haut un petit peu voir ce qui se passe. On peut pas. Alors, est-ce qu'on peut se soigner? Ouais, super. Deux potions. Il y en a un qui est mort en plus, hein, comme ça. Ouf. Ah, on n'est plus que tout seul là. Ouais. Comment on fait là? On peut rien faire là. Je comprends pas. On peut pas mourir. Par contre, on a 0 PV. Hein.
Alors. Oui, on sauvegarde, s'il vous plaît. Partir là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Oh, une tête de neige. Je sais vraiment pas où aller, hein. Je comprends pas. Y a pas de dialogue. Pour partir. Lui, on l'avait battu, lui. Ok, d'accord. Je comprends pas. Donc, est-ce qu'il y a un jeu de mots avec serrure, genre c'est le voleur ouvert. Non mais c'est quoi ce stationnement? Je ne comprends pas ce qu'il faut faire vraiment. Fait tellement mal cette attaque. Ouf, la chance. C'est bon ou pas là? Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. C'est repop les gars. Je comprends pas. Faut aller où là? Est-ce
qu'il faut retourner au début. Je comprends pas. Ah, j'arrive pas à comprendre. Ah, ça saoule là. Là, la musique ne matche pas avec ce qui se passe à l'écran. Je vais quand même pas trop chercher une solution pour ce début de jeu là. Je comprends pas. Je comprends pas du tout ce qui se passe à l'écran. Pourquoi on peut pas passer la porte? Me dites pas que c'est un bug. Oh là là. Il fait tellement mal lui. C'est bon ou pas là? Il n'y a plus d'ennemis là. On a tout nettoyé. Bon, on l'a déjà buté lui, je comprends pas. Pas loin de la mort là. Allez, on le termine. Ça fait zéro dégâts. On va mourir. Allez. Allez, allez, tu le termines. Oh là, de la chance. Il attaque que notre ami là. Allez, c'est bon. Ou pas. Ouf. C'était chaud. Hein. Ouh. Eh oui. Oh non, mais fallait nettoyer la map. Mais ils ont pop 10 fois les mecs. Hein. J'ai perdu la mémoire. On aimerait bien sauvegarder et se soigner. Ah, il y a une petite sauvegarde automatique que j'ai vue en bas de l'écran. Ouais, vas-y. Ouais, bon, les conseils si on prend. Ils sont combien là? Donc stack de couchage ça équivaut au tente hein, j'imagine. Ah
Ah, on s'est soigné, parfait. Ça peut se garder. Oh non. C'est salaud, hein. On peut pas sauvegarder les masses, hein. Il va falloir faire attention. Qu'est-ce qui se passe? Hé, hey, vous là-bas! Figaro, Figaro Magazine. Bon, et ben on est parti. La world map. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Et au moins, ça va. Bon, ben on est sur la map. Ok. Là, il n'y a rien. Il faut un bateau, à mon avis. Ou un vaisseau. Et calmez-vous sur le nombre d'ennemis là. On est que deux. Est-ce qu'on fait un peu le level up? Je suis tenté. Parce qu'on n'est pas loin de du village avec la possibilité de se régénérer. On va lui faire passer au moins un petit niveau. Oui. Allez. On est niveau combien là? Niveau 5, ouais, 5, c'est pas assez là. Alors on lui fait passer un niveau. Voilà. Lapin feuillu. Ok. Bon, allez. On va vite passer un niveau. Vérifier rapidement que tout va bien au niveau du stream. Ça a l'air d'aller. Et c'est qui fait du bruit comme ça. Alors je préfère quand même la musique de combat du 4, qui est vraiment exceptionnelle. Plus courte, mais vraiment. Mais vraiment au-dessus. Voilà. Au moins un petit niveau, quoi. Vu qu'on peut se régénérer. Au début, il faut toujours faire gaffe parce que on peut se retrouver face à des boss. Et on a un niveau qui est vraiment pas terrible.
Est-ce qu'on a récupéré des objets pour l'instant? Alors, équipement. Non. On n'a rien, hein, que dalle. Que dalle. Bon. Ok, il n'y a pas de magasin pour acheter les objets, rien. Alors j'entends un bruit là. On doit aller où là? C'est peut-être ça. Figaro. Bon, ben, on y est. On va sauvegarder ici. Alors, qu'est-ce qui s'y passe à Figaro? On veut aller voir le gars d'à côté. Bon, ben, on veut voir. Juste rentrer à l'intérieur. Halte là. Oh, c'est vous, vous pouvez passer. Ben oui. Le roi vous demande. Voyons, la ligne de dialogue. On garde les noms. Ça va aller, merci. Edgar. On va le contrôler, on va contrôler un roi. Ok. Ah, ça flaire sévère là. Elle s'est pris un vent. Il est parti où notre ami là? Il n'y a aucune indication sur où on doit aller. Oui. Qu'à faire. Autant avoir nos PV et PM au max. Ah ouais, donc il attaque tout ce qui bouge quoi.
faut aussi parler à ta copine. Elle est grillée de partout. Hein. Comté fleurette. Ok. Vous auriez pu leur mettre des lignes de dialogue différentes, non? Flashback. Sabin, Sabine, ok. Ah, carrément. D'accord. Aller de l'autre côté du château. Je sais plus. Ah voilà. On va explorer l'aile droite. C'est ça. Pour monter. Ok. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va sortir. On va sauvegarder. Hop. On aimerait savoir notre prochaine destination. On n'a aucune indication. Ah, il y a des escaliers là.
Ouais. On va voir de l'autre côté. Et tu bloques l'interrupteur aussi, hein. Pitoyable. Ah, contre lui maintenant. Carrément. Des menaces, toujours des menaces.
Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce soir, ce sera assez commence à s'endormir, il est très tard. Je vous souhaite une excellente nuit à tous et à toutes. C'était un petit live sur Final Fantasy VI, version Pixel Remaster sur Nintendo Switch. À très bientôt.